Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour le signe du Sagittaire pour ce mois de novembre 2022. Donc vous le savez, il s'agit d'une guidance générale, je vous le répète à chaque fois, mais je n'arrêterai jamais de vous le répéter. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite. Donc pour rappel, le mois dernier, votre énergie était celle du chariot. Donc on a l'impératrice qui tombe en challenge et en dos de deck, on a le pendu. Ce qui me dit que vous avez du mal. Globalement, ce qui va être présent pour vous sur ce mois-ci, c'est la difficulté pour vous, soit d'aller vers ce que vous voulez, hein, ça peut être une personne, une énergie, une situation, peu importe. La difficulté pour vous d'aller vers ce que vous voulez, d'obtenir ce que vous voulez, mais c'est plus que ça. C'est votre capacité à faire les choses comme vous l'entendez, en fait. Hein. Alors, ça peut être parce qu'il y a des contingences hein, particulières qui vous empêchent de mettre en place ce que vous voulez pour vous, pour votre bien-être, pour votre développement. Ou ça peut être vous-même. Hein. Ça peut être... on peut avoir ici des énergies... d'auto-sabotage un petit peu, alors c'est pas nécessairement aussi fort que ça, mais ne pas réussir à aller au bout de sa pensée, au bout de son action, au bout de sa volonté, ne pas réussir à mettre en place pour soi, on me dit ce que le cœur a envie de mettre en place, hein, vraiment avec l'impératrice. On a ici un vœu, okay, quelque chose qu'on souhaite faire, vers lequel on souhaite aller, qu'on souhaite développer. On sait que voilà, notre cœur nous dit « mais c'est par là, c'est par là, c'est par là ». C'est quelque chose qui nous rend déjà heureux et qui pourrait peut-être nous rendre encore plus heureux. Mais on n'arrive pas à aller dans cette direction-là. Pour certains, vous n'arrivez pas... soit ce sont des circonstances extérieures, hein, ça je pense que ce sera différent pour chacun, et on ira voir après dans les différents tirages, mais vous n'arrivez pas à vous résoudre aussi, hein, pour certains d'entre vous, à passer à l'action ou à vous détacher de quelque chose, ça c'est pareil, ce sera différent pour chacun. Mais voilà, hein, on est dans une énergie... qui vient de challenger un désir, une envie, une volonté de mettre quelque chose en place, qui me dit que vous savez déjà ce que c'est hein, pour la plupart d'entre vous. Mais pour autant, on n'arrive pas nécessairement à se décider, à se résoudre, ou alors ça bloque d'une façon ou d'une autre. Ok, on va aller voir ce qu'on a pour vous sur ce mois-ci, ce qui va être le plus présent en tout cas. Plus marquant dans vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Sur ce mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, on a le 8 de bâton. Okay. On a le 7 d'épée. Ouais. On me redit là, vous n'arrivez pas à vous résoudre à faire les choses différemment a priori, hein. Ou à dépasser, soit à faire les choses différemment où il y a une blessure ou une tromperie ou un truc un petit peu désagréable, hein. C'est pas nécessairement une tromperie avec un T majuscule, hein, mais quelque chose comme ça que vous n'arrivez pas à dépasser, quand bien même vous essayez de vous convaincre, hein. On sent ici que soit on essaye de vous convaincre ou vous essayez vous-même de vous convaincre qu'il faut passer à l'étape suivante, mais ouais, c'est pas évident. Alors, on a la justice et le 4 de denier en challenge. C'est vrai que vous avez peur de passer à la prochaine étape ici. Et on a ouais, le cavalier de denier. En deux de deck, on a la lune. Bon, moi j'ai cette énergie ici très très forte que vous avez peur de passer à la prochaine étape. Pour certains d'entre vous, vous pensiez peut-être que vous étiez prêts. Hein. On a vu ces derniers mois que pour vous, les tirages étaient, enfin les guidances étaient très positives et qu'il y avait cette envie d'aller de l'avant, cette envie de développer et que vous mettiez des choses en place justement pour aller chercher cette énergie-là. Et là, pour certains, on dirait qu'au moment où ça se présente, au moment où vous avez cette opportunité-là, et ben vous pensiez être prêt, finalement vous ne l'êtes plus, ou alors vous l'étiez pas tant que ça.
On pense pendant très longtemps être prêt à faire quelque chose, être prêt à recevoir l'amour, à recevoir la richesse, à recevoir l'abondance. On est prêt à recevoir l'opportunité d'une vie, de sa vie ou de la décennie ou de l'année, peu importe, et au moment où ça se présente. Ah, parce que quand on va vers une opportunité, l'opportunité constitue toujours un changement. Et on voit bien avec ce 4 de denier en challenge et même la justice en challenge, ce changement d'un seul coup vient comme presque vous saisir. Vous savez, c'est... Je ne sais pas, c'est cette énergie de devoir sauter, c'est-à-dire que on regarde le vide, on regarde le trou, alors on regarde l'obstacle qu'on doit dépasser, et donc on se prépare, on rassemble son courage, on court, on court, c'est-à-dire on recule pour prendre de l'élan, on court, on court, on court, et au moment de sauter, on s'arrête. C'est un petit peu ce que j'ai ici comme énergie, d'accord? Avec le cavalier de denier qui est un rythme très très lent. Moi, je retrouve ici ce contexte reculer pour mieux sauter. Ou alors prendre le temps de la réflexion. Alors pour certains, vous étiez super hype là, pendant quelques semaines, quelques mois, et là, d'un seul coup, vous décidez de ralentir le rythme. Ou alors, vous décidez de reculer pour mieux sauter, mais vous reculez, vous reculez, vous reculez, vous reculez, quoi. Donc on a un petit peu quelque chose comme ça. Donc il y a des remontées émotionnelles. Vous pouvez faire face aussi à un cancer ou à un poisson pour certains d'entre vous. C'est pas obligé. Mais là, on a du tumulte, hein. Du tumulte intérieur. On a de la peur, on a du doute. On a beaucoup d'émotions qui ressurgissent comme ça. Et ça va assez vite ici. En fait, il y a une histoire de rythme. C'est comme si d'un seul coup, quelque chose se déclenchait. Et non, d'un seul coup, ça va trop vite pour vous, en fait. Hein. Parce que ça vous pousse à faire soit quelque chose qui n'est pas dans vos habitudes, ok? Le 7 d'épée, ici, me parle... Le 7 d'épée, de manière générale, on le voit souvent comme une carte, vous savez, de piège ou de tromperie ou d'hypocrisie ou de vol. Alors que le 7 d'épée, c'est aussi une carte... qui nous invite à faire les choses différemment, hein, nous creuser un petit peu les méninges, ou alors justement qui nous met face à une situation qui est inconfortable pour nous parce que elle n'est pas commune, ou elle n'est pas dans nos habitudes, ou alors il faut sortir de sa zone de confort. Hein, le 7 d'épée, c'est ça aussi, il faut apprendre à faire les choses différemment quand on est face à ce genre de situation. Donc là, on sent bien qu'il y a une énergie qui vous presse, quelque chose qui vous presse. Que ce soit quelqu'un, une situation, des communications, des choses qui s'accumulent aussi pour certains d'entre vous, ok? En fait, on vous pousse d'une façon ou d'une autre ce mois-ci à mettre une fin, d'accord? Hein, ce 10 d'épée-là, et la justice est une carte de fin, hein, c'est le moment aussi où on passe au prochain chapitre de sa vie. Et c'est pas évident, en fait, ce mouvement-là pour vous. Déjà parce que ça vous perturbe dans votre quotidien, ça transforme votre quotidien, ou ça promet de transformer votre quotidien. En même temps, avec cette impératrice me dit que vous savez très bien que c'est cette prochaine étape, que vous savez très bien qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal, au contraire que voilà, ça pourrait être très très positif. Mais on sent de votre côté... La peur d'échouer, ou la peur que ça se passe mal, ou la peur que finalement ce soit pas ça, ou ce soit pas cette personne. Voilà, il y a le doute en fait, hein, qui est là, qui est assez fort. Et notamment pourquoi? Parce que cette fin, elle vient challenger votre quotidien, ou votre stabilité, ou votre rythme, d'accord, dans la matière, votre rythme de vie, ou vos horaires, hein, c'est possible ça aussi. Et donc c'est ça qui est complexe en fait pour vous. Hein. Ce qui me fait dire que pour certains, vous allez en fait, ça va peut-être en surprendre plus d'un ici, mais vous allez réaliser à quel point vous pouvez être conservateur et ou rigide en fait, hein, dans une certaine mesure. Et ça, c'est un trait du Sagittaire qu'on connaît moins, hein, mais qui est quand même, qui peut quand même être très présent. Voilà, bon allez, on va voir votre tirage en termes d'activité. Toute activité confondue. Vous voyez comment ça résonne avec votre situation. C'est parti.
Allez, pour les Sagittaires, en termes d'activité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ça, on me dit que tout ça, c'est pas nécessairement pour certains, c'est pas quelque chose qui va se manifester dans la matière. On me dit que c'est une possibilité que vous commencez à évaluer, ok, et pour l'instant, elle vous met mal à l'aise. Sachez que si c'est ce que vous vivez, ça fait partie du processus. Ça veut dire qu'à un moment donné, cette possibilité va devenir une opportunité. Vous allez vous retrouver dans cette situation-là et que ce que vous vivez en attendant, c'est pour vous préparer à ça. On me dit à cette éventualité-là. Alors, on a le roi de bâton. Okay. Donc, il nous parle de travail autonome, d'activité autonome, de faire les choses par soi-même, de créer quelque chose aussi. On a le 6 de denier, le 4 de coupe, le 6 de bâton, okay. La tour, et le cavalier de bâton. En dos de deck, on a le roi d'épée. Ok. Alors déjà comme ça, le premier message que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne contre toute attente. Contre toute attente, ça se passe bien, ça fonctionne. Il y a quelque chose de très positif ici en termes de changement, en termes d'annonce. On va peut-être vous annoncer quelque chose, ou alors il va y avoir, je ne sais pas, au niveau de vos finances, hein, d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui... ou dans votre quotidien ou dans votre travail, quelque chose qui, voilà, qui, ça fait un boom en fait, hein, qui se passe bien contre toute attente. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vraiment, on a quelque chose de très positif là, très très positif. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même deux lignes assez contraires. Donc on peut avoir deux situations différentes ici. Hein. D'un côté, on a quelque chose qui se passe très bien, une activité ou voilà, quelque chose que vous essayez de faire ou que vous essayez de mettre en place, qui est très positif, qui se passe très bien pour vous. Y a cette idée ici quand même qu'il va falloir défendre votre projet d'une façon ou d'une autre. Le défendre, le présenter, le mettre en avant. Le roi d'épée ici, pour moi, me parle plutôt d'un expert ou d'un conseiller, okay, d'un professionnel auquel vous allez avoir affaire ce mois-ci par rapport à ça. Alors le professionnel, c'est pas nécessairement... quelqu'un qui a trait à votre travail. Hein. Ça peut être véritablement un conseiller. Ça peut être un ami aussi qui va vous conseiller sur quelque chose, mais moi ça me dit qu'il va falloir présenter votre projet, peu importe ce que c'est, à d'autres yeux, ok, à d'autres cerveaux, à d'autres personnes. Il y a cette idée ici de devoir, alors se défendre je ne pense pas, mais argumenter, d'accord, argumenter par rapport à quelque chose, argumenter soit par rapport à la solidité financière de votre projet, ou argumenter pour une demande d'argent, argumenter pour une augmentation, pour une prime, pour une augmentation de salaire, je ne sais pas trop quoi. Et on me dit contre toute attente, ça va fonctionner. C'est ça, en fait, le côté toute attente. Hein. Vous savez, c'est un petit peu comme quand on passe des examens, quand on a passé son bac, ou on a passé son BTS, ou sa licence, ou son master, ou peu importe. Ok. On rentre chez soi en disant à ses amis, à ses parents, non mais laisse tomber. Moi j'ai un ami qui a vécu ça. Il passait les épreuves, je sais plus quel concours de fonctionnaire de classe A, et il était persuadé de l'avoir loupé en fait. Tant et si bien que quand il a reçu par courrier la réponse, enfin ses résultats au concours, il ne les a pas ouverts pendant 3 mois. Et un jour, sa compagne de l'époque, je pense, en a eu marre, et donc elle a ouvert l'enveloppe, et en fait, il avait réussi haut la main. Et c'est un petit peu l'énergie qu'on a là, c'est-à-dire que, non mais... ça va jamais marcher ou ça va rien donner. On a un petit peu hein, ce 4 de coupe, c'est un petit peu, voilà, on est déçu quoi. On est déçu, on n'est pas content de soi, on n'est pas fier de soi, on n'est pas content de ce qui se passe, on n'est pas content de ce qu'on a fait, on n'est pas content de ce qu'on a. Et contre toute attente, ça fonctionne.
Voilà, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Hein. Si je devais résumer ce tirage-là pour votre mois de novembre, c'est contre toute attente, ça fonctionne. Il y a des. En fait, vous allez peut-être aussi recevoir des nouvelles plus vite que prévu, ou un accord plus vite que prévu, ou vous allez avoir un retour plus vite que prévu, ou alors les choses vont s'enchaîner. Hein. C'est peut-être ça aussi, cet effet, ce changement-là qui va peut-être vous prendre de court. C'est-à-dire que on peut aussi avoir ça, hein, moi je l'ai vécu, cette énergie de on monte un dossier, on dépose un dossier, puis on se dit bon, j'ai quelques jours ou quelques semaines pour avoir la réponse, donc en attendant je vais vivre ma vie, et puis genre 3 jours après vous avez la réponse et elle est très positive. Donc on a ce genre d'effet-là sur votre domaine d'activité. Ok, vous allez être surpris par le côté très positif de quelque chose, même si pour certains, ça va vous demander ou de présenter, ou de faire valoir, ou d'argumenter, ou de fournir des explications, ou d'expliquer en quoi c'est la bonne chose, ou en quoi c'est positif, ou en quoi ça va fonctionner. Ça peut être le fait de présenter une autre solution ou un projet à votre manager, à votre patron, peu importe, et vous sortez de là en vous disant, bon, ben, j'ai parlé une demi-heure pour rien, et en fait, il s'avère 3 jours après que on vient vous voir en vous disant non mais en fait oui on va faire ça quoi. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici qui est très positif. Par contre, sachez que suite à ça, il y a cette idée que le changement c'est maintenant quoi. Hein. Il y a une idée de cause à effet ici qui va vous conduire en fait à devoir après ça acter tout de suite. Il y a une idée d'accélération une fois que vous avez reçu cette nouvelle positive, cette réponse positive, d'accord, il y a une accélération des événements, des choses. Et je pense que c'est ça aussi qui va vous prendre au dépourvu. Donc on est vraiment dans ce registre-là. Pour d'autres personnes, comme je disais, il y a deux histoires ici, même si globalement je pense que pour la majorité d'entre vous, mais pour d'autres personnes, il y a justement cet effet de projet que vous déposez et qui ne reçoit pas la réponse que vous espériez. Là, il y a quelque chose qui va vous remettre sur le chemin. Enfin, on vous dit ici, reprenez-vous en main et si la première porte s'est pas ouverte, allez taper à la deuxième, à la troisième, à la quatrième. On a quand même quelque chose qui, au final, peu importe la route qui est la vôtre, d'accord? Parce que les deux mènent au même chemin. Peu importe la route qui est la vôtre, ça se finit de la même façon. Donc, ce n'est pas parce que vous essuyez un refus que ça y est, il faut tout laisser tomber, que ça ne peut pas marcher, que c'est une idée de merde, j'en sais rien, pas du tout. On vous dit, si la première porte ne s'ouvre pas, tapez à la deuxième, etc., 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 etc. Vous allez y arriver de toute façon. Donc voilà, peu importe la route sur laquelle vous êtes, persistez, hein, vraiment. Ok, quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation? J'en veux qu'une. Non, j'en veux une seule. Merci. Réfléchissez à vos priorités. Oui, je vais le mettre là. Okay. Je pense que ça, c'est un message particulier pour les personnes qui vont peut-être essuyer voilà, une insatisfaction, un refus. Okay, hein, on me dit, hein, si ce n'est pas la première, c'est la deuxième. Si ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième. Si ce n'est pas la troisième, vous inquiétez pas, la quatrième, elle est toujours derrière. Hein. Donc, ne laissez pas tomber au premier, au deuxième, au troisième refus. Okay, on vous dit, si cette chose est vraiment importante pour vous, si elle fait partie de vos priorités, ne laissez pas tomber. C'est ce qu'on vous dit ici, vraiment. Et pour certains, on vous dit la quatrième est la bonne. Mais bon, hein, peut-être pas obligé d'aller jusqu'à 4, mais si c'est vraiment une priorité pour vous, allez plus loin. Persistez sur cette voie-là. Voilà pour ce tirage. Qui est très positif, hop, très positif en soi. Voilà. Et allez, on va passer au tirage relationnel, tout relationnel confondu. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois-ci? Alors, on a un roi de denier, on a les amoureux à l'envers, une décision qu'on n'arrive pas à prendre ici, on a le 3 de coupe,
Encore la justice. Ok, donc ça pourrait être bien lié à la guidance générale qu'on a fait au début de vidéo. Le 2 de denier, on a bien cette énergie de décision et on a le 5 d'épée. En dos de deck, la force. La force, le 8 de coupe. L'as de bâton. L'as de bâton nous parle bien de cette éventualité qui est en train, ou qui se transforme, ou qui va se transformer en opportunité de changement. Hein. Donc on est vraiment, pour moi, dans ce registre-là, ici. Alors, je pense que ce roi de denier, c'est vous. Alors, les énergies sont toujours interchangeables, hein, mais on retrouve cette idée de stabilité dans le roi de denier. Hein, c'est ce qu'on avait dans la guidance générale, où on disait que votre sens de la stabilité, ou alors votre quotidien, ou votre routine, des choses comme ça, vont être perturbées hein, sur ce mois de novembre. Donc, c'est pour ça que je sens que c'est vous, en fait, ici. Et là, on a... Qui galère hein, avec la force. On a quelqu'un qui galère ici avec la force, le 5 d'épée, le 2 de denier et la justice. On a quelqu'un qui galère à prendre une décision, d'accord? Alors c'est lié à un entourage, hein, de toute façon on est dans le relationnel. Ça peut être lié à un événement, d'accord, avec le 3 de coupe, ça peut être un mariage, ça peut être une célébration, ça peut être une union, ça peut être une remise de diplôme, ça peut être plein de choses, ok. Le 3 de coupe, c'est le fait de se retrouver ensemble, d'accord. Le fait de se retrouver ensemble. Alors, c'est pas une carte de couple, c'est plutôt une carte de groupe, hein, on est dans le 3. Mais c'est une énergie très très positive, hein, où on va célébrer, on va faire la fête, voilà. Et ce que ça me dit là, c'est que, alors pour certains, on essaye de vous vendre, un entourage essaye de vous vendre, hein, alors cet entourage, c'est le 5 d'épée ici, je pense, mais... Un entourage, puisqu'on est dans le relationnel, alors ça peut être aussi une part de vous-même, hein, ça peut être votre cerveau droit et votre cerveau gauche, hein, votre cœur, votre âme, votre ego, votre esprit. On essaye de vous vendre cette décision, ce choix-là, hein, qui se pose à vous, cette suite, même si là on parle plutôt de la fin à poser. On vous vend ça, ou on essaye de vous vendre ça, ou alors c'est comme ça que vous le percevez, comme quelque chose de très positif, ok, où vous allez pouvoir, je sais pas, vous avez peut-être des amis qui planifient, qui vous parlent déjà de votre pendaison de crémaillère, alors que vous n'avez même pas encore déménagé, enfin, ou alors qui fêtent votre réussite à un examen, alors que vous n'avez pas encore eu les résultats, ou alors, voilà, hein, ce genre d'énergie-là, il y a cette idée... Il y a plusieurs choses sur ce roi de denier ici. Il y a l'idée de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, hein, de faire preuve de précaution, parce que sinon on pourrait prendre le risque d'être déçu. Mais moi je sens surtout que c'est intérieurement, avant toute chose intérieurement, hein, parce que s'il y a du conflit extérieur, s'il y a du conflit intérieur, il y a un conflit ici sur cette fin à poser en fait. Hein. Ça peut être sur la fin d'un célibat par exemple, la fin d'une vie en célibataire, ou la fin d'une époque relationnelle tout simplement, hein, peu importe la forme qu'elle a prise dans votre vie, et vous galérez avec ça. Hein. Vous galérez avec le fait de laisser cette part de votre vie derrière vous. Et pourtant, je sens qu'elle s'installe de plus en plus dans votre tête, elle fait de plus en plus sens, d'accord? Mais c'est pas évident pour vous de prendre cette décision-là, en votre âme et conscience, parce qu'on me dit, cette situation, elle peut pas se faire sans votre décision, hein, on va pas vous forcer à faire quelque chose, c'est pas le but. Mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, pour d'autres, on est chez des gens... qui ont du mal peut-être à célébrer une séparation ou à célébrer un divorce. Ok, genre tous vos amis sont là en train de vous dire « Ouais, c'est trop bien, t'as réussi à te délivrer. » Je sais pas, on me dit de cette sangsue ou un truc comme ça, enfin bref. Peu importe. Et vous, vous avez du mal à vivre ça comme quelque chose de positif ou comme une victoire ou à trouver qu'il y ait quoi que ce soit à célébrer. Quoi. On a quelque chose de cet ordre-là ici. Le 5 d'épée, c'est une victoire un petit peu amère quand même. Hein.
C'est une victoire un petit peu amère. Il y a eu des blessés sur le champ de bataille. Personne n'est sorti indemne de là. Donc certes, on a réussi à s'en sortir. Certes, on va réussir à dépasser ça. Mais bon, on sent que c'est pas simple. Hein. De toute façon, les amoureux à l'envers nous disent bien que pour ce mois-ci, je pense, la prise de décision par rapport à ça est complexe. Hein. Ou alors, la décision a déjà été prise et vous n'arrivez pas à vous en réjouir. Hein. On n'arrive pas ici à se réjouir d'une fin. Okay. Ou alors, on n'arrive pas à aller de l'avant hein, et à acter un choix dans la matière. Pourtant, le 5 d'épée nous dit que c'est la suite logique. Hein. La suite logique. Mais bon, voilà. C'est pas simple pour vous parce que ça vient, je pense, vraiment bousculer des règles de vie, des habitudes de vie, une routine, peut-être des questions financières qui vont se poser. Voilà, tout ça, hein, ici. Hein. Bon. Quel conseil on a pour vous par rapport à cette situation ? Relâchez le contrôle. Voilà, et avec le roi de denier, on est bien dans le taureau. Hein. Taureau, vierge, capricorne, donc. On est dans ce registre-là, très lié à la matérialité, très lié au quotidien, très lié à la routine, très lié aux habitudes. Je vous l'ai dit, hein, beaucoup d'émotionnel sur ce mois-ci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour moi, vraiment ça, c'est lié au contexte qu'on a eu dans la guidance générale. Donc on vous dit, relâchez le contrôle sur cette situation, sur votre mentalisation, sur vos pensées. Parce qu'en fait, on me dit, vous faites barrage ici. Hein. Plus vous stressez sur cette situation, moins vous allez réussir à prendre une décision, que ce soit un oui ou que ce soit un non. Hein. Mais parce que moins vous y verrez clair. Donc voilà, là on vous invite vraiment par rapport à ça à relâcher le contrôle. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Ok, on va voir sentimentalement ce qu'on a pour vous sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît ? Sentimentalement. Alors, on a cet as de bâton qui nous suit partout et qui était bien caché dans les decks sur les deux autres tirages, hein, mais qui est bien là. Hein. On a le 10 de pentacle. Ok. On retrouve ce roi de bâton. Le roi de bâton. Ok, c'est vous, hein, le roi de bâton. On a le 5 de bâton. On a le page de coupe. Et on a un 2 d'épée. En dos de deck, on a un 9 de pentacle. Donc, de manière générale, dans votre vie sentimentale, il y a peut-être déjà une différence d'âge entre vous. Alors, vous pouvez faire face à une personne d'un signe d'eau, par exemple. Hein. Bon, c'est pas obligé. Mais on a quand même un gap ici, que ce soit en âge, que ce soit en maturité, que ce soit en possession matérielle, que ce soit en statut social, que ce soit en réussite, peu importe, il y a un gap entre vous. Hein. Ça peut être aussi dans votre façon de voir la vie. Hein. Là, avec le roi de bâton, on est sur quelqu'un de résolu, de créatif, de sérieux, qui sait ce qu'il fait, qui en même temps sait profiter de la vie, mais ne fait pas n'importe quoi. Okay, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui est drivé, hein, vraiment... avec beaucoup d'assurance. Le page de coupe, c'est une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus légère, beaucoup plus... Il y a une dimension, on me dit, quelqu'un qui est peut-être plus rêveur que vous, ou quelqu'un... Il y a cette idée ici d'avoir deux visions de la vie différentes. Hein. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, hein, d'un de vos enfants ou d'un adolescent ou de quelqu'un comme ça à qui vous faites face en fait sur ce mois-ci. Hein. Le 2 d'épée nous reparle de cette prise de décision qu'on n'arrive pas à faire, on n'arrive pas à prendre là. L'as de bâton, le 10 de pentacle, nous dit que vous êtes au début de la construction d'une famille, pour certains.
Le 10 de Pentacle, c'est le happily ever after. Ils vécurent heureux ensemble très longtemps, eurent des enfants, des chiens, des chats, peu importe. C'est la carte de la pérennité, c'est la carte de la construction, de la réussite sociale, de ça se passe bien et tout le monde est heureux et on a une grande table et on invite les amis et la famille le dimanche et on est dans la réussite, on est dans l'abondance, on est dans le partage. Mais ça vient, et je pense que c'est ça en fait la problématique qui se passe, hein, ça vient contredire ce 9 de Pentacle et cette ermite derrière. Bon, on a une reine de bâton aussi derrière. Hein. Ça vient contredire ce côté je me débrouille tout seul. Le 9 de Pentacle est une énergie qui est très positive, d'accord, mais c'est une énergie, je suis tout seul. C'est comme le 9 de coupe et le 10 de coupe, hein, on est un petit peu dans le même genre de schéma ici, je réussis tout seul, je fais les choses tout seul, je me débrouille tout seul, je suis heureux tout seul, hein, on n'est pas dans une dimension où on subit son célibat ou le fait de vivre dans son coin, mais voilà, je suis bien tout seul par moi-même, et là je peux dire... C'est vraiment ce registre-là ici. Alors qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui est en train de vous pousser. Moi, on me parle d'éventualité pour l'instant. Hein. Cette possibilité, alors c'est pas forcément cette personne, hein, ça peut être vous. Hein. Il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui commence à vous dire, bon, bah, il faudrait peut-être passer du 9 au 10. Hein. Ah, ça c'est compliqué. Je pense très honnêtement, je ne suis pas sûre que... Je ne pense pas que pour la majorité d'entre vous, ce soit cette personne en face ou quelqu'un qui se manifeste dans votre vie, qui vienne tout de suite faire des plans sur la comète. Hein. Je pense que c'est quelque chose à l'intérieur de vous qui pousse. Ok ? Attention, parce que si c'est une situation pour certains que vous vivez déjà sur ce mois-ci, donc vous connaissez déjà cette personne, le stress de ça, hein, parce que le 2 d'épée, c'est une énergie vraiment de stress, d'angoisse, de mentalisation pourrait vous faire aller un petit peu au clash, un petit peu au conflit avec cette personne. Hein. Et donc il y a ce potentiel ici de projeter sur l'autre ses propres insécurités. Donc attention à ça ici. Pour d'autres personnes, il y a une rencontre qui se fait. D'accord, vraiment une belle rencontre avec un potentiel créateur, un potentiel sur la durée, un potentiel de construction. Qui est là. Mais alors ça c'est un message, c'est pas pour tout le monde, il y a peut-être un refus de certains enfants, ou alors vous avez peur de comment vos enfants vont le prendre, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient moyennement grands, peu importe. Ça pourrait vous bloquer en fait à aller dans cette direction-là. Et pourtant, il y a une belle connexion ici avec l'as de bâton, hein. Il y a une reconnaissance. On a reconnu cette personne, ou on va la reconnaître. Mais il y a un obstacle. Et l'obstacle, soit ce sont des enfants, d'une façon ou d'une autre, ou des personnes plus immatures, soit c'est votre propre mental. Hein, parce qu'ici, on voit bien qu'on a l'âme en conflit, enfin en tout cas, on a l'esprit en conflit avec le mental. Et c'est très présent sur cette relation, que ce soit vous, hein, je disais en début de guidance, votre cerveau gauche, votre cerveau droit, ou que ce soit des gens qui soient proches de vous ou proches de cette personne. Pourtant, le potentiel est là de construire ici quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? On va aller clarifier ça et puis le tirage relationnel, parce que je pense que les deux sont liés dans l'extension. Qu'on veut vous dire par rapport à ça, quel est le conseil? Respirez pour éliminer la tension, hein, je vous ai dit. Hein. Attention à ça. Je pense que ça, c'est vous, ça, ce mois-ci. Hein. Trop de stress, trop de mentalisation, vous pourriez être à fleur de peau, être sur les nerfs et vous en prendre soit à cette personne, soit à d'autres personnes, injustement, en fait. Hein. Donc faites attention à ça. Si en plus, il y a des aspects plus personnels, plus professionnels qui viennent se mettre par-dessus, ben voilà, vous avez, on me dit, vous pourriez sur ce mois-ci, pour certains, être un petit peu une... Alors peut-être pas une bombe à retardement, mais pas loin quand même, hein. Donc attention, attention à cette tension pour vous. Alors ça peut être littéral hein, pour certains d'entre vous, attention à votre tension. Mais voilà, attention à trop de feu en fait, hein, trop de feu. Et celle qui avait sauté en même temps que j'ai remis derrière, c'est encore apaiser vos émotions. Ok ? Apaiser vos émotions, ça va être vraiment le conseil, je pense. Enfin, vraiment faites attention
à ça sur ce mois de novembre. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, à liker. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent mois.